Bonjour tout le monde et bienvenue à ce petit épisode bonus qui n'en est pas vraiment un, c'est plus vous allez voir un petit exercice avec moi-même de reset dans mon stage et dans mes projets. J'ai eu un mois et demi, donc depuis la dernière fois qu'on s'est vu, presque 2 mois de travail très très intense, à plus de 50 heures par semaine. Et tant de tricot compris dédié au travail parce que j'ai tricoté ou j'ai fait des choses qui étaient concernées aussi qui concernaient aussi la boutique, donc du coup beaucoup beaucoup de boulot, et le fait de tricoter pour la boutique a fait aussi que j'ai dû mettre de côté mes projets perso et que ma motivation a baissé, parce que quand tu rentres de la boutique, enfin du travail, et que tu dans ton temps libre tu dois aussi travailler parce que tu dois aussi tricoter ou produire des choses pour la boutique, et ben franchement, c'est pas ma partie de plaisir, dans le sens où j'ai, comme on dit, un tricot un peu plus égoïste. J'aime faire des choses pour moi ou que j'ai envie de faire moi pour offrir, mais pas forcément des choses pour la boutique qui vont rester en boutique pendant 1, 2, 3 ans. Et que, voilà, même si c'est intéressant, bien sûr, pour vous, clientes, client qui venait en boutique et qui aimait voir des pièces tricotées, moi c'est pas ma partie préférée dans ma pratique de tricot, parce que finalement j'aime bien le fait de tricoter, mais j'aime bien aussi le fait de pouvoir enfin moi je tricote aussi pour le projet fini, et du coup le projet fini, ben je préfère qu'il soit pour moi. Enfin voilà, c'est vrai que quand je dois faire que des choses pour la boutique, ben, j'ai l'impression de travailler tout le temps, et j'aime bien séparer le fait que je suis commerçante et je suis vendeuse de laine, mais mon loisir c'est le tricot, et ça me permet aussi de quelque part séparer le travail et la vie perso, même si tout est entremêlé et qu'il y a beaucoup de projets que je fais pour moi qui sont dans des laines de la boutique et qui fonctionnent un peu aussi comme publicité en fin de compte, enfin plus que publicité, bah, juste aussi comme objet fini que vous pouvez voir dans des qualités de la boutique. Mais c'est vrai que le podcast, pour ça, c'est génial parce que ça me permet de faire des choses pour moi ou pour mon entourage, mais dans des laines de la boutique, et du coup, ça vous permet de les voir sans que ce soit forcément des projets qui vont rester, comme je vous dis, sur un cintre ou en exposition, et qui sont purement décoratifs ou disons, pour montrer. Donc voilà, le podcast pour moi, c'est le parfait exercice pour ceci. Et bon, comme je vous disais, pendant presque 2 mois, j'ai dû être bloquée dans ma créativité, dans ma pratique de tricot loisir, parce que je devais faire des choses pour la boutique. Et du coup, ma motivation a aussi pas mal baissé. D'autant plus que je n'ai pas eu le temps. Enfin, c'est pas que j'ai pas eu le temps, c'est plutôt que j'avais envie aussi de trier un peu mon stage, de faire un petit ménage. Alors, quand je dis trier, c'est pas forcément pour enlever des choses de mon stock de laine, ou comme j'aime l'appeler maintenant, ma cave à laine, comme si c'était une cave de vin où je garde des laines qui sont précieuses dans un sens. Alors précieuses pas forcément par leur qualité ou par leur prix ou quoi que ce soit, mais qui sont précieuses pour moi parce que ça a été des achats faits à un endroit précis lors d'un voyage ou un festival, parce que c'est des cadeaux d'amis ou de ma mère, enfin voilà. Et c'est des laines dont je ne veux pas me séparer, parce qu'un jour j'aimerais les tricoter, mais aussi parce que elles ont une certaine valeur sentimentale ou nostalgique, dans le bon sens du terme. Donc du coup, ma cave à laine, comme une bonne cave de vin, doit être triée, nettoyée, chouchoutée de temps en temps. Je suis pas du tout une experte de vin, mais j'imagine que les gens qui ont des caves à air, et puis je sais pas, ils prennent soin de leur vin. Et éventuellement, de temps en temps, on ouvre un lors d'un moment spécial, ou lors d'un, je sais pas, quelque chose ou un moment de leur vie dont ils ont envie de profiter de ça. Donc j'avais fait le parallèle parce que j'avais trouvé, enfin on m'avait envoyé, une amie m'avait envoyé une petite vidéo un peu dans cet aspect, dans cette perspective-là, et que j'ai approfondi un peu dans les stories la semaine dernière, je crois. Et donc voilà, comme j'avais besoin de refaire un point de ce que j'avais dans mon stock, parce que parfois je mets des trucs dans mon armoire, dans mon placard qui est là, parce que c'est des trucs de, je sais pas, des restes ou des machins, et je prends pas le temps de bien les ranger. De temps en temps, une fois tous les 6 mois, une fois tous les 9 mois,
j'ai besoin de faire un reset, de tout sortir, de tout nettoyer, même si c'est pas forcément très sale, hein, parce que tout est dans des sachets et tout ça, mais refaire un point de ce que j'ai, retrier les choses, documenter un peu, comme si j'étais un peu une bibliothécaire de souvenirs et de choses, mais refaire un point, refaire un tri, revoir l'organisation, et donc c'est ce que j'ai fait. Et qui dit donc tri dans le stage, dit forcément tri dans les projets en cours. Et ils sont tous là, ils me font très peur parce que j'aimerais épurer un peu la chose. Aussi parce qu'on part bientôt dans des projets tricotés et que j'ai envie de faire un point parce que tout est dans des sacs, tout est dans des sachets et j'aimerais faire un point de ce que j'aimerais garder, pas garder, défaire, donner, enfin voilà. Donc on va faire ça ensemble aujourd'hui. Je n'ai pas mes projets ici, je n'ai pas mes projets en cours du moment, qui sont deux, une paire de chaussettes qui sera bientôt finie et un pull que je viens de commencer. Donc ces deux-là, je ne les rentre pas dans les projets qui sont là, parce que c'est les projets en cours. Donc ça, c'est vraiment les projets qui dorment ou qui sont en attente de la saison qui leur correspond. Donc vous savez, si vous avez regardé d'autres petites vidéos un peu comme ça chez moi, c'est que, par exemple, quand l'automne arrive, les projets que printemps-été que je n'ai pas finis, je les mets en attente pour, bah, par exemple, février-mars, mars-avril, quand je les reprendrai. Et inversement, au printemps-été, je mets en pause les projets d'hiver sur lesquels je n'ai pas forcément envie de travailler tout de suite, de façon à les retrouver vers le mois de septembre-octobre, octobre-novembre. Donc, sans plus de blabla, on va trier tout ça. Le premier que je vais vous montrer, c'est donc celui qui est là, qui est ma couverture. Je ne sais pas combien de temps. Alors, elle doit avoir moins de 2 ans parce que c'est un projet que j'ai monté déjà dans cet appart et ça va faire 2 ans et demi qu'on est dedans. Donc, du coup, il n'est pas si vieux que ça, mais ça a été un projet d'hésitation permanente. Je vais vous dire pourquoi. Je vais d'abord vous le montrer. Donc, c'est une couverture en granit, toute simple, que j'avais commencé pour mon compagnon. Mais je pense que lui, il va pas vraiment l'utiliser autant que je pensais qu'il l'utiliserait parce qu'il aime bien, finalement, il aime bien une couverture gigantesque parce qu'il aime bien se blottir vraiment dedans. Il fait 1m80 ou 1m85. Donc, autant vous dire qu'il lui faut une couverture de 2 mètres. Par 1 mètre bien, 1m60, 1m80, donc c'est beaucoup trop grand pour ce que j'ai envie de faire. Et en plus, j'ai hésité très longtemps sur ce projet parce que je pensais qu'il allait être trop lourd aussi pour lui si on faisait une couverture aussi grande que ça. Donc vous voyez, elle a déjà bien, elle a plus d'un mètre. Ouais, disons qu'elle a 1m60 de largeur. Et donc je me disais que peut-être plutôt que de la faire dans ce sens, c'est-à-dire comme ça, qu'elle serait plutôt dans ce sens. Et du coup, il me resterait moins de largeur à faire. Et pour une personne, pour la mettre sur les genoux, voilà, elle serait parfaite. Donc je pense que je vais faire ça. Je vais la reprendre. Je la crochète en disant que ça va être de l'équivalent de hareng worsted. Entre de la déca et de la worsted en crochet numéro 5. Donc je vais la reprendre, je vais la mettre à côté de moi dans le salon et comme ça de temps en temps, je n'ai pas d'ambition mais de temps en temps je ferai un rang par-ci par-là. Donc comme vous voyez j'alterne deux rangs de couleur beige et deux rangs de couleur. Là j'étais dans les. Je vais la faire dans les camaïeux de bleu-vert parce que c'est les couleurs qui vont le mieux. Enfin, déjà, c'est les couleurs qui me plaisent le plus, et puis c'est les couleurs qui vont le mieux et dont j'avais le plus de restes. Donc, comme vous voyez, dans mon tri de stash, j'ai rassemblé tous les restes de bleu. Oups. Ah, voilà. De bleu et de vert, que ce soit de la laine, du coton. Là, ça, par exemple, c'est de la soft silk que j'avais eu en trop d'un t-shirt que j'avais fait l'année dernière. Donc, tout ça va passer dans la couverture. Et j'ai mis aussi une partie. Mais pas tout, pardon pour les bruits de plastique, il va y en avoir, hein, donc je m'excuse d'avance. Donc j'ai mis aussi des restes de grillet, enfin c'est plutôt du grège, hein, c'est pas vraiment du écru ni du gris. Donc j'ai mis tous les restes de grège que j'avais qui pouvaient être dans le même esprit et ça va être aussi pour la couverture. Donc maintenant que j'ai décidé ce que j'allais faire et que je l'ai reprise et que je vois qu'elle me plaît toujours, je vais la reprendre.
Et là, j'étais partie un peu dans les bleus, enfin dans les bleus, bleu-gris. Mais je veux sortir de cette zone-là parce que c'est celle qui me plaît le moins. Et je veux rester plutôt dans des couleurs un peu plus lumineuses. Donc voilà, j'ai très très hâte de la reprendre. Ça m'a vraiment donné. Hop, je reprends ce qui est tombé. Ça m'a vraiment redonné envie de la faire. Donc je pense que je vais travailler dessus avant qu'il fasse trop chaud. Donc je veux l'avancer un tout petit peu parce que vous imaginez bien que vu la taille, elle vient sur moi. Donc du coup, j'ai pas envie de l'avoir sur moi pendant l'été. Donc j'aimerais bien que d'ici un an, elle soit finie. On est le 19 février, je crois. Mark my words, on se revoit en février prochain pour voir si elle est finie. Mais en tout cas, j'aimerais l'avancer et qu'elle sorte de cette zone de projet qui traîne dans l'appart, ça m'énerve. D'autant plus qu'elle prend de la place, comme vous voyez, elle est dans un panier comme ça. Donc pour les suivants, par ceci, parce que c'est un projet qui nécessite de très très peu, c'est un petit sac que j'avais fait en tricot machine là avant les fêtes. Il faut juste que je lui mette la corde, que je rentre les... Non, les fils sont même rentrés, donc que je coupe. Et c'est un petit sac où il fallait que je brode 4 ou 5 moutons ici avec du point de... Du French knot, je sais pas comment ça s'appelle en français. Et juste des petits moutons, c'est un patron de petites knitters. J'avais même fait l'I-cord à la machine, les I-cords à la machine aussi. Donc il faut juste que j'enfile l'I-cord et que je brode les moutons. Je suis pas une grande brodeuse, donc je repousse un peu la tâche, mais je vais le mettre là sur ma couverture, comme ça je vais le prendre un soir, je vais le finir, et ce sera un cadeau parce que c'est un cadeau pour une amie et son anniversaire. Bon, c'est pas vraiment bientôt bientôt, mais entre le fait que je m'y mette et tout ça, je veux que ce soit fini. Donc ça, c'est deuxième projet donc, qui est, disons, fini bientôt. Donc ça, il faut que je le fasse. Passons au suivant. Je sais même pas ce qu'il y a dans les sacs, donc ça va être la surprise autant pour vous que pour moi, je crois. Donc ça, oui, je sais ce que c'est. C'est un projet que j'avais adoré faire l'été dernier, mais que j'avais en pause parce que vous allez comprendre pourquoi dès que vous allez le voir. C'est le Be My Tulip Top de... elle s'appelle Camille, c'est Massimil, je crois, son nom de créatrice. C'est un top en dentelle, enfin, plus qu'un top, c'est un débardeur, donc en col V comme ça. Il est boutonné devant, donc c'est pour ça qu'il est en aller-retour. Et c'est un top tout en dentelle. Et en fait, ce top là, je l'avais mis en pause parce que j'avais ces trois couleurs et je m'étais dit que je l'allais faire en color block. Mais en fait, en y réfléchissant, je vais le faire en blanc, enfin en écru blanc. Donc je vais prendre deux, je crois qu'il me reste, il me faudrait encore deux pelotes pour le faire. Même si j'aurai une différence de bain, je vais essayer de défaire un ou deux rangs, enfin quelques rangs pour faire la transition entre les bains, si jamais c'est des bains qui se voient. Et je vais le faire tout en blanc. Alors moi, un top en blanc comme ça pour l'été, c'est vrai que c'est pas du tout mon style, mais je pense que je peux. Je pense que je vais tenter de voir si c'est mon style. Parce que franchement, le top est hyper marrant. Enfin, je trouve la dentelle hyper agréable à faire. Et la laine, enfin oui, c'est un mélange de viscose et laine est hyper agréable à travailler. C'est la Lisa de Lang Yarns qu'on a depuis qu'elle est sortie il y a peut-être 2 ans. Et c'est un fil hyper agréable à travailler. Vous voyez qu'elle a une définition de point incroyable. La seule chose qui m'inquiète, entre guillemets, c'est qu'il est quand même assez transparent. C'est la laine recommandée qu'elle avait... Enfin, elle avait fait dans ce fil-là aussi. Donc c'est assez transparent, donc je sais pas à quel niveau je serais... Oui, il faudra que je trouve une petite brassière. Il faudra que je trouve un truc pour lui donner quand même un style. Parce que c'est un débardeur col V en dentelle. Donc c'est assez féminin. C'est pas forcément mon style. Mais je pense que je peux arriver à lui trouver un moyen de me l'approprier. J'imagine quoi? J'imagine peut-être avec une brassière un peu sport si j'arrive à faire des emmanchures un peu basses ou le mettre sur des en fait le mettre sur des t-shirts foncés ou sur des robes un peu manches courtes. Enfin voilà, il faut que je trouve comment le mettre dans mon stock, mais j'ai envie de le finir. Je suis toujours motivée pour ce projet, mais vraiment ce qui m'avait bloqué, c'était cet aspect color block qui, je pensais, pouvait marcher pour moi parce que ça lui donnait un côté un peu
je sais pas, un autre esprit, mais j'ai peur. En fait, c'est pas tellement le fait de le faire en trois couleurs, c'est le ratio de couleurs, en fait, va être bizarre. Donc, c'est pas grave, je vais le faire en blanc. Donc, je vais détricoter tout ça. Donc, je vais le faire dans les prochaines semaines. C'est pas un projet que je vais reprendre tout de suite, hein. Ça, c'est les. Je vais pas évidemment tout reprendre en même temps, mais c'est ce que je dessine dans les projets. Donc plutôt que tout défaire, comme le projet me plaît, je vais juste défaire ce qui a été fait en lavande. Et il me restera des pelotes de lavande et de vert à déterminer. J'imaginerais bien un petit top tout simple, vraiment le truc tout bête. Soit en jacquard, donc soit un yoke d'été en jacquard et une autre couleur, soit en rayures. Donc ça, je pense que je prendrai une couleur complémentaire à ça ou un. Enfin, ces deux couleurs ensemble me plaisent beaucoup. Donc je verrai ce que je fais. Mais en plus, il y a des nouvelles couleurs qui sont sorties de Lisa qu'on a reçues qu'il faut qu'on mette sur le site. Donc ça, c'est pas un projet qui va disparaître. Bien au contraire, je pense que c'est même un des projets que je vais reprendre en premier là au printemps. Parce que franchement, la dentelle, elle est. Enfin, j'ai besoin de lire le diagramme, mais elle n'est pas du tout difficile à faire. Et c'est. J'aime bien le rythme de la dentelle pour ce projet. Ah, et en plus, le combo avec le fil, je trouve que c'est hyper bien trouvé. Donc, ça, on le garde. Projet suivant. Alors, ça. Ah oui, ça, c'est mon t-shirt en Kimberley, donc c'est une qualité aussi de chez Lang qui ne se fait plus, que j'avais fait. C'est le déchaîne de. C'est le déchaîne que j'avais fait et qui était trop court. Je ne sais pas pourquoi j'ai pensé que cette taille irait. Donc, ce qu'il faut que je fasse, c'est défaire le rabattage et rallonger. Il me reste ça à faire et je pense que ce sera suffisant. Et voilà, donc il faut juste que je fasse ça. Donc, encore une fois, je pense que ça va être un des premiers trucs que je vais défaire, que je vais refaire pour qu'il soit prêt et qu'il soit out of. Enfin, qu'il soit dehors du lot et pouvoir le porter parce que c'est quand même un peu dommage. Donc, ça, c'est pour l'autre projet d'été. Qu'est-ce qu'il y a? Bon, allez, on va faire au fur et à mesure que ça vient dans mes mains. Ah oui, ça c'est un gilet en crochet que j'avais commencé l'année dernière et que j'ai pas fini. Donc ça c'est le dos. Il y a la même chose pour le devant et les manches. Donc ça c'est quelque chose que j'aimerais finir aussi ce printemps parce que comme c'est un gilet, je vais bien pouvoir le porter au printemps et à l'automne. Mais c'est hyper facile parce que c'est granit. Mais en revanche, ce qui m'avait déplu dans ce projet, c'est que comme on change à chaque rang de couleur, il faut tout le temps avoir toutes les pelotes avec soi et tout le temps avoir une paire de ciseaux avec soi. Donc c'est pas un projet, même si c'est un projet zéro cerveau, c'est pas un projet que je peux transporter facilement de partout parce qu'il faut forcément que je me promène avec toutes mes pelotes. Donc c'était un peu, ça ralentissait le projet un peu. Donc voilà. Et aussi, il y a tous ces fils à rentrer après. Donc, bon. C'est fait dans la Loftan de Camarose, un fil de lin, 100% lin chaînette que j'adore, qui a une super fluidité, que j'ai déjà tricoté, que j'avais adoré dans un top en intarsia que j'avais fait l'été dernier, qui avait été mon projet préféré de toute l'année 2023, et que je porte beaucoup. Et ça, c'était avec les restes de ce projet-là, et j'avais rajouté 2-3 couleurs supplémentaires pour faire ce gilet. Donc, ça, oui, je veux le faire. Je veux le finir et je pense qu'une fois que j'aurai fini l'étape dos qui est la plus longue, le reste ira beaucoup plus fluidement. Donc là, on le garde et on passe au suivant. Je vais un peu vite parce que parfois, enfin, j'ai pas plus à dire de ces projets-là. C'est juste que j'ai envie de me le remettre en tête et de faire le tri avec vous. Enfin, avec vous. Je profite de faire ça pour le partager avec vous. Donc parfois, il y a des projets où je vais juste aller un peu vite. Je veux. Donc ça, c'était un cal que j'avais fait, enfin un cal, un tricot ensemble qu'on faisait avec Juliette. Alors Juliette, la longue, enfin ça fait des mois et des mois et des mois qu'elle l'a fini et qu'elle le porte et qu'il est magnifique. C'est l'écharpe Sylvatica de Anna Hausmann que j'adore, cette créatrice qui travaille l'intarsia. Et en fait, c'était moi et les écharpes, c'est un peu compliqué. Donc j'avais fait que ça. Et en fait, je vais le défaire. Pourquoi? Parce que tout simplement. Le fil principal. Ah, ben non, j'en ai. J'ai rien dit. Bon, ben, je me suis. Enfin, je pensais que je n'avais pris qu'une seule pelote de cette qualité-là. Et que du coup, j'en avais pas. Et que je pouvais pas continuer le projet.
En revanche, je vois que j'en ai, enfin, j'ai celle que j'ai entamée et deux autres. Mais je pense que je ne vais pas avoir assez avec deux pelotes. J'en ai que deux. Ouais, j'en ai que deux. Donc, j'ai deux possibilités. Parce que ça, c'est une qualité. Alors, soit la qualité continue de se faire, c'est la mohair coton de Katia. Il faudrait que je regarde si elle continue de se faire et comme ça, peut-être en commander. C'est une possibilité. Soit sinon, comme en fait le fait que ce soit une écharpe m'ennuie beaucoup, parce que c'est très long, je peux le raccourcir, le coudre et faire un tour de cou. Ça pourrait être une autre possibilité. Mais c'est une bonne nouvelle parce que je pensais que je n'avais que la pelote que j'avais entamée et que je n'avais pas assez. Donc mon projet, donc la décision que j'avais prise, c'était de le défaire et de doubler que avec du mohair. Donc faire une écharpe très très beaucoup plus vaporeuse et voilà. Et l'autre, et aussi parce que je me disais, si je la tricote avec des aiguilles plus grosses, ça fera un truc un peu plus déjà plus rapide à faire et aussi plus vaporeux. Parce que je vais la continuer telle quelle. Je vais aller jusqu'au bout de ma laine et on verra où est-ce que. De toute façon, dès que j'aurai fini la première pelote, je me rendrai compte de la longueur que ça va, enfin qu'elle va avoir et je verrai si avec deux pelotes c'est suffisant. Et sinon, bah voilà, je prendrai une décision à ce moment-là. Bon, cool. Bon, bah, c'est pris. En revanche, ce qu'il faut que je fasse, c'est de changer de sac de projet. Parce que dans ce sac de projet, je peux pas mettre toute la laine. Donc, ça, c'est quelque chose que je dois faire. Et une autre chose que je dois faire pour ce projet, c'est d'imprimer le diagramme qui est sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, qui est sur 6 pages. Donc, ça aussi, c'est vraiment. Il faut que je me l'imprime. Parce que c'est très pénible à suivre dans le livre, dans le magazine. C'était un pom-pom magazine, le numéro 38. Le patron est peut-être même maintenant disponible. Enfin, il est disponible à l'achat, il me semble. Donc du coup, comme ça, je vais préserver mon pom-pom qui commence à être tout abîmé. Donc il faut que j'imprime le patron et il faut que je change de sac à projet. Donc je vais le mettre ici de côté. Et si je libère un autre sac de projet un peu plus grand, je mettrai le tout dedans. Pour le mohair qui est utilisé avec pour l'intarsia, j'utilise juste des chutes qu'on avait partagées avec Juliette. Entre mes chutes et les siennes, on s'était partagé les quantités pour pouvoir réaliser le projet. Donc voilà, ça c'est cool, c'est plutôt une bonne nouvelle parce que j'ai envie de le faire, mais il y avait un peu plein d'éléments qui se mettaient contre moi, entre guillemets. Donc voilà. Un autre projet, donc on est au 1, 2, 3, 4, 5e projet en cours. L'autre projet en cours, c'est le pull de Noël de. Je sais pas comment il s'appelle. C'est un patron de Skindernitz, donc la créatrice norvégienne. Et que j'avais commencé, pas ce Noël-ci 2023, mais le Noël 2022. Je l'avais commencé en parallèle avec mon amie Laura, qu'elle a bien sûr fini et porté les deux Noëls. Et que moi, je me suis arrêtée là. Donc. J'ai deux possibilités. Soit je continue, parce qu'en vrai, le projet, il me plaît beaucoup. C'est un pull entièrement en jacquard. Soit je fais uniquement le yoke et le reste du tricot, je le fais à la machine et du jersey et comme ça c'est fini. Donc je sais pas. C'est un projet que j'ai vraiment pas touché depuis, mais qui me plaît toujours autant. Donc c'est juste que j'ai pas eu le temps de m'y mettre. Je le tricote en Mondim, en le Mondim Coloris 303. C'est plutôt un petit pull, donc j'ai deux pelotes uniquement, donc ça fait 800 mètres. Et ça, c'est un reste de laine naturelle grège que j'avais dans mon stock, je sais même pas ce que c'est. Mais c'est de la pure laine. Donc moi, je voulais un contraste, je voulais du contraste, mais pas sur du écru parce que j'aime pas trop les coloris de Noël. Enfin, j'aime pas trop les trucs qui sont évidemment très Christmassy, très Noël dans ta gueule. Donc ça va rester très Noël, mais je pense que c'est un pull que je vais pouvoir porter tout l'hiver. D'autant plus que je crois que je ne vais pas faire, parce que c'est un pull où tu peux mettre plein de diagrammes différents de Noël. Donc moi je vais pas mettre les plus évidents, genre le petit cadeau ou le petit bonhomme de neige ou voilà. Donc je pense que je vais mettre juste l'étoile norvégienne et le sapin. Il y a aussi un renne de Noël, mais. Enfin, un renne. Mais je pense que ça fait trop chargé pour ce que j'aime. Donc, mon idée, ce serait de le faire entièrement en jacquard, comme prévu pour. Enfin, il y a les deux versions. Il y a la version jacquard ou le version. Entièrement jacquard ou la version yoke. Donc, je pense que je vais faire la version entièrement jacquard, mais que avec l'étoile et que avec le sapin.
Et je pense que ça m'ira beaucoup mieux. Donc ça, c'est un projet que j'aimerais bien finir. Enfin, finir, avancer et finir. Et mon idée, c'était de le travailler à chaque fois à Noël. Mais là, je ne l'ai pas du tout travaillé à Noël. Donc, ce serait bien que je reprenne le patron, que je divise un peu les diagrammes et que peut-être tous les mois, je fasse un mode. Que j'arrive à faire au moins tous les mois un motif. Au moins pour le corps. Après, moi, les manches, ça me dérange moins parce que les manches. J'aime bien faire les manches, donc c'est pas un problème. Moi, le problème, c'est le corps. Je trouve ça super long. Donc, je vais faire ça. Je vais le laisser de côté ici. Je vais sortir le modèle. Je vais voir combien de diagrammes il faut que je fasse. Et en fait, que je me dise, bah, tous les mois, il faut que j'aie fait un diagramme. Et au moins comme ça, j'aurai avancé dessus. Donc, ça va être un peu comme ma couverture, de temps en temps, le sortir et l'avancer. Hyper agréable la tricoter, là mon dîme, c'est la première fois que je la tricote pour un pull, donc trop bien. Et j'adore ce rouge et c'est vraiment devenu une de mes couleurs préférées que je porte le plus. Donc voilà, ça c'est pour mon pull de Noël. Bien sûr que je le continue. Un autre projet. Ah, ça c'est un qui va passer au détricotage. Quoi qu'il est beau. Aïe aïe aïe. Ou pas. Ah non. Parfois, on garde une idée en tête d'un projet et on dit ah, ça me plaît pas et tout. Et quand tu le ressors, t'es là. Pourquoi je me suis dit que j'allais défaire ce truc? Bah, je vais pas le défaire. Je ne vais pas le défaire. En revanche, je n'ai pas le livre ici. Il doit être sur mon étagère à laine. Donc, c'est un débardeur qui était dans un livre japonais. Et voilà. Et c'est des points de maille au jacquard. Et moi, mon jacquard, c'est du double fil lace de Shetland qu'on m'avait donné une cliente, Hélène. Et l'autre, c'est de la laine teinte à la main par Justina de Felici Punto dans son coloris Corteza, qui est magnifique. Donc, je ne vais pas le défaire. Je pensais défaire au moins deux projets. Et en fait, non. Et en fait, pas du tout. En revanche, ce débardeur, c'est un bottom-up. Et l'idée, c'était de faire un stick. Et là, je sais pas. Je sais pas si je le ferai en aller-retour pour tricoter du jacquard en aller-retour. Ou de faire ça et de le sticker. J'hésite vraiment. J'hésite vraiment. Parce que je le trouve très beau, mais je sais pas si c'est quelque chose que je vais porter. Je vais le laisser sorti comme ça, je vais le regarder pendant 2-3 jours et je vais prendre une décision. Parce que là, comme ça, je suis incapable. Il est très beau, mais en fait, j'ai la panique de porter des trucs. Enfin, la panique. Je sais pas pourquoi j'aime pas porter des trucs clairs. Donc voilà. À moins que je fasse le reste des côtes dans la couleur foncée. Je sais pas pourquoi j'aime pas porter des trucs clairs. C'est très absurde que ce que je veux dire parce que vous allez voir dans le prochain épisode de podcast que j'ai planifié de faire un pull, un gilet dans un beige clair. Mais c'est plus pour sortir de ma zone de confort, donc peut-être ça pourrait m'aider. Bon, on verra. On verra, on verra. Prochain truc. Ça, c'est un sac où il n'y a que des tubes de chaussettes. Voilà. Un projet de chaussettes détricotées qu'il faut que je tricote le truc. Bon, c'est que des trucs chaussettes. Encore un tube. Encore un tube. Des restes de chaussettes. Donc ça, il faut vraiment que je fasse le tri. Ça, c'en est encore un autre. Avec plein de restes. Et il y a encore deux tubes de chaussettes. Donc ça fait longtemps que c'est là. J'ai la flemme totale. J'ai fait quelques paires. J'ai déjà une paire de ça et j'avais fait une paire de ça pour une amie. Je sais pas quoi en faire parce qu'en vrai, ça m'ennuie terriblement de mettre des pointes et des talons à des tubes. C'est vraiment pas mon kiff. Donc, vous voyez, là j'avais déjà fait un talon. Et là, ah, mais là voilà ma deuxième paire de 2,25. Que je cherchais. Donc là, j'avais commencé à faire quoi? Je sais pas, une pointe ou un. Donc je sais pas quoi faire avec ça. Je pense que je vais les offrir à des amis pour qu'elles en fassent pour qu'elles fassent des chaussettes. Tout simplement. Donc ça, parce que ouais, je vais faire ça. Je vais les offrir.
Il y a plein d'anniversaires qui arrivent, donc je vais les offrir avec des amis et elles feront ce qu'elles voudront avec. Soit elles récupèrent la laine, soit elles se font des chaussettes, soit elles font des chaussettes pour offrir. Mais moi, je n'ai aucune envie de faire ça. Donc ça va passer à la pile de cadeaux. Voilà, les amis, vous savez ce qui vous attend. Donc ça va être... Enfin, je vais récupérer mes aiguilles, tout ça. Je vais les mettre dans des petits... En fait, moi, à la maison, j'ai un paquet de... J'ai une boîte de cadeaux. Donc en fait, quand j'achète des trucs qui me font penser à des personnes, ou quand j'achète des choses que je sais qui peuvent servir à des cadeaux, ou je fais le tri de choses, je les mets dans une boîte et après je répartis, je fais des cadeaux, soit spontanés, soit pour des anniversaires, soit voilà. Donc c'est ce que je vais faire avec ça. Les restes, mes restes de chaussettes, je vais les mettre dans ma boîte à chaussettes, donc, enfin de restes à chaussettes, et je vais libérer, hop, je vais libérer mes aiguilles et mon sac à projet, qui est d'ailleurs un de mes sacs à projet préférés, parce que c'est mon amie Mélissa qui a tissé le tissu et fait le sac. Et ça, c'est ma recette de chaussettes gamme Lastan, à laquelle j'avais enlevé la laine contrastante parce que je ne l'ai plus en boutique, et j'étais en train de faire avec ça. Donc ça, c'est un projet boutique dont il faut que je finisse le talon. Donc ça, je vais le mettre dans le sac à projet que j'ai libéré pour l'écharpe. Hop. Et ça, il faudrait que je le finisse assez rapidement. Et ce sac-là passera à accueillir l'écharpe Sylvatica. Donc ça, c'est bon. Et ça, c'est à trier. Hop, bonne chose. Prochain projet. Plein de laine que j'avais mis de côté pour faire une... Où est-ce qu'elle est? Ah bah, j'avais tout détricoté. Bon, bah, génial. Non, je l'avais faite pourtant. C'était une petite grenouille. Ah là, voilà. C'était la petite grenouille que je voulais faire pour moi et pour ma sœur. Enfin, mon projet, c'était d'en faire plusieurs pour en faire pour moi et pour ma sœur et les habiller en Frog et Toad, qui sont des personnages d'un livre, voilà, que ma sœur aime bien. Donc j'avais fait la petite grenouille et il faut que je la finisse. J'avais mis les yeux pour voir comment ça donnait. Donc là, voilà. Et c'est mon sac donc c'est mon sac que je dédie à ça. Donc j'avais rassemblé des couleurs et tout ça pour l'événement de Frog et Toad. Donc ça, c'est un truc que j'aimerais bien faire, surtout là au printemps, parce que j'aimerais, et peut-être même plus rapide que prévu, parce que je vais voir ma sœur au printemps et ce serait génial si je pouvais lui offrir ça. Donc vous allez me dire, enfin, je sais que vous êtes tous en train de penser, oui, Anna, tu veux tout faire tout en même temps et tu vas jamais avoir le temps, on est d'accord, mais l'espoir est gratuit et l'imagination aussi. Mais ça, c'est ouais, ce serait un bel objectif de finir au moins la grenouille et faire quelques vêtements pour la grenouille et lui remettre ça au printemps et genre pour l'automne. Enfin, ou la prochaine fois qu'on se verra, j'espère que avant quand même Noël, mais ça sera difficile, mais peut-être. Donc à chaque fois que je la vois, genre lui remettre un petit, genre maintenant peut-être la grenouille et après le petit crapaud. Pourquoi pas? Donc ça, c'est un projet que je ne défais pas et qui passe au projet enfin qui reste dans les projets en cours. Alors, dans les projets en cours plus actifs et d'automne, ça c'était le panier que j'avais mis dans ma réserve de laine, qui me prenait beaucoup de place d'ailleurs, parce que c'était toute cette boîte-là, bah, qui débordait et qui prenait beaucoup de place dans l'armoire. Donc dans l'armoire, je vais purement laisser la laine, et ça, je vais trouver un autre système à un autre endroit pour stocker mes projets en cours. Voilà, c'est le projet. Parce que ça a libéré bien de la place dans mon... Voilà. Alors ça, ce n'est pas un projet en cours, c'est un reste de laine qu'il faut que je bobine pour pas qu'elle ait cette forme-là. Voilà. Donc ça, c'est à bobiner. Et ça, c'est des aiguilles que j'ai libérées. Donc je suis libérée d'un projet. Donc ça, c'est cool. Ensuite. Ah, alors ça, c'est un truc qu'il faut vraiment que je fasse. C'est tous mes granny que j'avais fait pour le Agnès sweater. Donc ce que je vais faire avant de les assembler, c'est de les bloquer. Donc ça, je vais les laisser sortis. Comme ça, je les bloque. Je vais les bloquer aujourd'hui, enfin là, dans la semaine. Et comme ça, je pourrai les assembler. Parce que ce serait bien quand même que pour le printemps, enfin là, les prochains mois, je puisse le porter. Donc ça, je vais le laisser ici. Et je vais les bloquer. Je vais leur donner un bon bain. Parce qu'en plus, c'était de la laine naturelle. C'était des mélanges de laine naturelle et superwash.
Et c'est des stocks, vous savez, que je garde et tout. Et j'aimerais bien les laver aussi pour les. Pas parce qu'il y a de la poussière ou quoi, mais c'est vrai que les laines un peu naturelles, en plus, souvent, il y a pas mal de. Comment on appelle ça? De lanoline ou d'huile de filage. Et donc, ça, je vais le laisser ici pour le laver. Même, non, je vais le laisser ici et je vais les laver tout de suite. Enfin, les mettre dans un bain pour qu'ils se relâchent et tout ça. Cool. Ça, c'est quoi? Ça, c'est juste un sac vide, donc on va l'enlever. Hop, on fait deux. Un autre sac à projet mystère. J'ai une idée légère à chaque fois de ce qu'il y a dedans, mais. Ah, oui, ça, c'est un petit chien que j'étais en train de faire au crochet pour le festival. Je ne l'ai pas fini. Et c'est un petit chien. En fait, j'ai aucun plaisir à faire des amigurumis. C'est vraiment pas un truc que j'aime. Alors, je suis pas mauvaise, dans le sens où mon poids est régulier et tout ça, mais j'ai aucun plaisir à faire. Alors, les grandes parties, ça va. Mais là, je suis en train de faire les pattes et c'est. Enfin, ça me fait mal aux mains. J'ai aucun plaisir à faire. Donc, je sais pas. J'ai pas envie de le finir. Donc, mais c'est un peu dommage parce que parce qu'il est, il lui manque les pattes, le nez, la queue. Et une petite écharpe. Donc il reste pas grand-chose. Je vais essayer de le finir. Mais pas tout de suite. J'ai pas envie de travailler dedans. Donc ça, lui, il va passer dans les projets en attente. À moins que je le donne à quelqu'un qui aime le crochet. Enfin, moi j'aime le crochet, mais pas les amigurumis. À moins que je le refile à quelqu'un pour que quelqu'un le finisse. Voilà, si vous êtes de ces personnes-là et que vous êtes à Grenoble, vous pouvez vous amuser sur mon amigurumi. Mais bon, pas de projet là-dessus. Je le laisse en attente. On verra. Peut-être un jour j'aurai envie de le reprendre et de le finir. C'est un peu dommage, mais c'est comme ça. Il faut faire les choses qui nous apportent du bonheur. La vie est trop courte. Philosophie. Ah oui, ça c'est un projet qui est très bête parce qu'il lui reste plus qu'une manche à faire. Donc c'était un petit ghost whisperer que j'ai fait. Dans la qualité, j'ai eu un écheveau que m'avaient offert les garçons de El Robledal de la Santa. Et comme vous pouvez le voir, il ne lui reste plus qu'une manche qui est déjà commencée. Donc ça, je ne vais pas le faire tout de suite, mais je vais le faire pour le printemps. Comme ça, je pourrai le porter. Une des choses qui a fait que je ne l'ai pas avancé plus que ça, c'est que il est un peu trop petit. Enfin, trop petit. J'aurais aimé qu'il soit beaucoup plus ample. Et en fait, il n'est pas si ample que ça. Mais je pense que je le porterai avec plaisir quand même. Donc lui, il lui reste les manches, enfin la manche et la corde du col. Et il sera fini. Donc je vais le finir. C'est complètement absurde. Et si vraiment je vois que je le porterai pas ou que quoi, je leur enverrai pour qu'il l'ait en sample. Donc c'est jamais du travail perdu. Surtout si ça en bénéficie d'autres et d'autres que j'apprécie. Donc voilà, ça c'est pour ça. Il me reste encore 1, 2, 3. Il me reste 4 projets à vous montrer. C'est le marathon. Je ne sais pas à combien on est. J'ai pas envie. J'ai presque pas. Enfin, j'ai pas envie de compter. Alors, ça oui, ça c'est mon Bifurca. C'est un kit qu'on avait sorti de Teti Lutsack qui est trop trop bien. C'est un débardeur. Et je dois commencer le jacquard. J'ai deux possibilités pour ce projet-là. Soit. Je le garde pour l'été parce que c'est un truc où il faut vraiment que je me concentre. Donc soit je le garde pour mes vacances d'été, soit je le garde pour l'automne prochain. Mais c'est pas quelque chose sur lequel j'ai envie de tricoter tout de suite. Je sais pas pourquoi. Mais je le garde, il va pas. Enfin, je le garde et je le reprendrai certainement à l'été. Voilà. Et il me reste deux. S'il y en a un, je sais pas ce que c'est. Ah si. Voilà. Et voilà. Donc. Lui, c'est un projet que vous n'avez même pas vu sur le podcast parce que c'est un truc que j'ai monté pendant mes vacances de Noël. Il lui reste très peu, donc lui, je vais le finir bientôt. C'est un débardeur, c'est le débardeur, c'est la veste number 4, je crois, de My Favorite Knitwear. Comme vous pouvez le voir, elle est tricotée. J'ai été au rabattage du corps, à l'aiguille, au rabattage. Voilà, il lui restera donc les manches, enfin les manches, les côtes pour les emmanchures et les côtes pour. Tout le tour et il sera fini. Et mon objectif c'est de le finir bientôt parce que après il fera trop chaud pour le mettre.
Je le fais dans de la mohair noire que j'avais dans mon stock de chez Crème Queue. Et je le fais dans de la... Je ne sais plus la base. Je crois que c'est Sirius, le nom. Ouais, la base Sirius de By Night, donc de Nathalie. Et que je l'avais acheté au premier Knit It en 2019. Et c'est teint avec du bois de Campeche. Donc c'est un violet très très foncé, presque noir. Et c'est de la 75% Blueface Leicester et 25% Goatland. J'ai envie de vous dire que c'est une base qu'elle continue, mais je suis pas sûre. C'est du non superwash. C'est une très belle base, dans une très belle couleur. Je sais pas si vous allez pouvoir apprécier le violet. Voilà, donc ça c'est ce que j'ai fait à Noël. Et après, comme je vous dis, j'avais tellement de projets pour la boutique et tout ça que j'ai dû le mettre en pause et il est resté comme ça. Et il faut que je le finisse. Mais maintenant, je suis en train de castonner de nouveaux trucs. Donc du coup, c'est un peu resté de travers dans la masse de trucs à finir. Mais j'ai envie de le finir. Et un autre projet que j'ai fait aussi avec Juliette, et tous les projets que je fais avec Juliette, je ne les finis jamais. C'est le pull Hana de Junko Okamoto. Et lui, je crois que je vais le défaire. J'aime le projet, j'aime le processus du projet, mais j'ai juste pas le temps et la place mentale pour le faire. Je n'étais pas très avancée et en plus au début j'avais fait des erreurs. Donc lui, il va... Je crois qu'en plus j'aime pas cette laine-là, enfin cette couleur-là. Comme je vous le disais, j'ai du mal avec le clair. Je crois que je n'aime pas cette couleur-là pour ce pull. Donc je vais le défaire. Et je veux le faire, mais je pense qu'il faut que je trouve une autre laine. Juliette l'a fait en Gilliatt et moi j'aimerais bien le faire dans un autre truc. Peut-être même sûr dans la Mota de Wool Dreamers, parce que j'aurais beaucoup plus de plaisir à le tricoter dans cette laine-là. Ça, c'est un cône de laine que j'avais à la maison. Je pense que je vais me faire juste un truc très simple avec, ou sinon je le garde pour une autre couverture. J'ai pas mal de restes, donc je peux envisager de faire une couverture avec des granny autrement et tout ça. Donc je sais pas ce que je vais en faire, mais en tout cas, j'ai pas envie. C'est le mélange laine et patron, ça va très bien ensemble, mais c'est pas pour moi et c'est pas un plaisir pour moi à tricoter. Donc lui, il va être défait. Je récupère un sac à projet. Ça m'en fait 3 de libre. Et le tout dernier projet, qui n'en est pas vraiment un, c'est que pour le Festival de Madrid, on m'a apporté de la Donegal de Langue. C'est une qualité que j'aime beaucoup, que je n'ai pas en boutique depuis un moment. Parce que, je sais pas, parce que parfois on peut pas tout avoir. Et en fait, je pensais faire un gilet avec des granny. Finalement, ça s'est transformé peut-être en une écharpe. Et finalement, ça s'est transformé en rien du tout parce que j'ai pas eu le temps de le faire. Et il me manque des granny. J'avais fait plein de tests de granny. Ils sont là, avec plein de couleurs différentes. Donc ça, c'était initialement ce que je voulais faire pour le gilet. Et après, j'ai fait plein de granny comme ça. Donc là, mon projet, c'est avec tous ces granulats que j'ai fait, c'est de faire une housse de poussin. Et comme j'adore ces couleurs, mais ce n'est pas du tout les couleurs qui vont chez moi, à moins que je les mette sur ce lit-là. Bon, bref, je vais les assembler, je vais faire une housse de poussin. D'un côté, je vais faire des granulats, et d'un autre côté, comme j'ai beaucoup de ce noir, je vais tricoter à la machine l'arrière de la housse de poussin. Si je vois que ça va chez moi, je la garde pour moi, et sinon, je pense que ça peut beaucoup plaire en palette de couleurs à ma sœur. Mais je ne sais pas si elle aime les granny. Donc je lui demanderai. Si ça lui plaît, je lui donne. Et sinon, je la garde pour moi. Voilà. Donc voilà. Très très agréable à faire. Les granny, c'est un de mes trucs préférés à faire. Tricot et crochet compris. Et j'adore ce dégradé vraiment de couleurs. Donc ça, c'est une palette. Ça, je vais le garder. Soit pour construire quelque chose autour, soit si j'ai assez de laine et l'envie de me faire le gilet que j'avais en tête. Donc c'est un projet à venir. Et j'avais donc, comme vous voyez, un sac tout entier, ben, de couleurs différentes pour lesquelles j'avais testé. Donc ça, je vais les garder parce qu'il faut que je les garde. Et que je trie aussi parce qu'il y a des restes. Ben, ça, c'est du reste vert. Donc je vais le mettre avec ma couverture. Voilà. Et le reste de choses, c'est des restes aussi. Donc là, je vais le mettre dans mon sac. Dans mon panier à trier, comme ça je trie tout ça. Je vais mettre les granny dans un sac, voilà, pour les coudre. Donc tous les granny, je vais les mettre dans un sac. Hop. Et je vais les coudre ou les assembler
ensemble. Il faut que je teste la méthode de... Je crois qu'en anglais, ça s'appelle join as you go. Donc, assembler en même temps que tu avances ton projet. Et c'est une méthode que je n'ai pas... Enfin, c'est pas bien compliqué, mais il faut que je vois comment ça se fait. Je pense qu'il faut juste que je regarde un petit tuto et que je le fasse. Mais ça m'éviterait d'avoir tout le temps des granny que je fais, que j'adore faire, et qu'après, je mets 6 mois ou 1 an à assembler parce que je déteste... J'aime bien coudre le tricot, mais j'aime pas coudre le crochet. Voilà, je trouve ça super long. Donc je les mets ici, je les mets dans mon panier que je vais refaire avec les projets que je veux finir plutôt rapidement ou qui sont en attente et tout ça. Et on va compter les projets. Ça nous fait un total de 1, 2, 3, 4, oups, 4, pardon, 5, 6, 7, 8. C'est 9 et 10 et 11 et 12 et 13. 13 projets en cours. Plus la paire de chaussettes et le pull que j'ai et le gilet que je vais castonner. Ça nous fait 3 de plus. Donc, vous avez tout vu. De toute façon, je vais trier mes projets. Donc, j'ai un panier, j'ai le panier de la couverture. Et après, j'ai un panier de projets vraiment en cours de saison. Et celui-là en plastique de projet hors saison. Donc je vais les trier correctement, je vais les dispatcher dans chez moi, enfin dans mon appartement, et je vais avancer dessus, j'espère, dans les prochains mois. Je vais juste caster, enfin j'ai juste monté un pull, mais vous verrez, c'est un pull que je veux faire. Je vais faire le yoke en jacquard à la main, et le reste, je vais le faire à la machine. Et l'autre gilet que je vais faire, je vais le faire à la main parce que c'est un gilet qui se tricote en 6 mm. Donc ça va aller assez vite. Et à part ça, je vais essayer de ne pas castonner et d'avancer sur les choses que j'ai. Mon objectif, ce serait de finir au moins, j'ai dit que j'en avais quoi, 13 ou 14, au moins la moitié. Je pensais en défaire plus, donc je m'étais dit, ah oui, ça va me libérer de la place mentale et physique, mais en fait, non. Lui, je vais le laisser exposer un peu à la maison et c'est le temps qui dira. Je sais pas. Est-ce que c'est... En fait, j'arrive pas à me dire si c'est joli ou si ça va être trop moche. Ça va être super kitsch à porter. Mais après, le super kitsch, ça peut être sympa aussi. Voilà, je sais pas. C'est pour ça, il faut que je vais aussi le montrer à ma conseillère de mode, qui est Juliette. Et je vais lui demander aussi son avis. Parce que on a des goûts assez similaires et que j'aime beaucoup. Enfin, elle a un style que j'aime beaucoup, donc je pense que elle va aussi m'aider à décider. Et voilà, donc je vais faire tout le tri de tout ça. Je vais sans doute vous montrer, enfin faire une caméra rapide de comment je trie mes affaires. Et je vous dis à très très bientôt pour un vrai épisode cette fois-ci. Et voilà, merci beaucoup et à très bientôt. Salut!